Tiens, je ferais bien une partie de quelque chose. Mais qu'on fasse un cul de chouette? Non, pas ça, c'est trop compliqué. Non, un truc qui joue vite. Bah quoi, là? On pourrait faire un sloubi. Je connais pas. Je vous explique, il y en a pour deux secondes. Oh, Tavernier! Il fait une partie? Il finit sa caisse, il arrive! Non, l'appelez pas, ça joue à trois. Bon, bah ça fait rien, on va se démerder. J'ai amené les dés machinalement, mais je sais même pas au quoi qu'on joue. On fait un sloubi pour rigoler. Et ça se joue avec des dés? On peut jouer avec des dés, mais c'est pas important, ça. Ah bon? Normalement, ça joue avec des bouts de bois. Il faut 50 bouts de bois de 2 pouces, 50 de 3 pouces, 50 de 4 pouces, et ainsi de suite. Et à la fin, il faut 50 poutres de la longueur de la pièce. Vous avez ça ou pas? Oh bah non, là, je sais pas. Bon bah ça fait rien. On joue avec les dés. On aurait su avant, on aurait taillé les bouts de bois? Oui... Non, à la limite, ce qui serait pas mal... Est-ce que vous avez assez de dés pour remplir un seau comme ça? Ah bah là, j'ai que cela... Mais pourquoi faire un seau de dés? Bah, c'est plus facile d'en tirer 100 ou 200 d'un coup et d'additionner. Parce que là, avec 3, on va être obligé de tirer 40 fois de suite à chaque tour. Ah. Un cul de chouette, il y en a que 3 et on tire juste une fois. Non, mais là, on va faire 60 jets de dés chacun. Comme ça, on sera tranquille, on aura de la marge. Alors, 633 plus 634, 635, 641, 644. Bon, c'est qui a le plus gros? Bah, c'est vous avez fait 800, je sais pas combien. Ah ouais, donc c'est moi qui remporte le tour. Quand on remporte le tour à Sloubi, on a 14 solutions possibles. Soit on annule le tour, soit on passe, soit on change de sens. Soit on recalcule les points, soit on compte, soit on divise par 6, soit on jette les bouts de bois de 15 pouces, ça c'est quand on joue avec les bouts de bois, soit on se couche, soit on joue sans atout. Et après, il y a les appels. Plus 1, plus 2, attrape-oiseau, rigodon ou chante Sloubi. Nous, on va faire que chante Sloubi. Mais elle reste. Quel reste? Eh ben les autres trucs, là. Non, mais le reste, c'est chiant. Il y a que chante Sloubi qui m'arrange. Alors, c'est moi qui ai gagné le tour, c'est moi qui chante Sloubi. Vous êtes prêts? Attention, loupez pas le coche. Sloubi 1, Sloubi 2, Sloubi 3, Sloubi 4, Sloubi 5, Sloubi 6, Sloubi 7. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Bah, vous m'arrêtez quand ça tombe sur votre score. Non, mais le score des dés, là? Bah, je sais même plus combien j'ai fait, moi. 325. Ah ouais? Et moi, c'est 644, moi. Allez, je recommence. Concentrez-vous. Sloubi 1, Sloubi 2, Sloubi 3, Sloubi 4, Sloubi 5, Sloubi 322, Sloubi 323, Sloubi 324, Sloubi 325. Faut pas dire stop, faut dire Sloubi. Sloubi. Voilà. Donc là, le tour, il passe à vous. Comme vous êtes second, vous avez plus que 19 solutions possibles. Soit passer, soit scier en deux les 50 poutrelles de 30 pieds, mais ça, c'est quand on joue avec les boules bois. Sinon, c'est les relances. Doublette, jeu carré, jeu de piste, jeu gagnant, jeu boulin. Jeu-jeu, joue-jeu, joujou, joujier, jouganou, gagna, katakt, takat, kakatak, kagatkata et ratakak mik. Ou chante Sloubi. Nous, on va faire que chante Sloubi. Sloubi 114, Sloubi 115, Sloubi 116. Bah, pourquoi que vous arrêtez? Je sais pas compter après 116. Sans déconner, vous pouviez pas le dire avant? J'y ai pas pensé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, là? Non, on fait 10 jets de 2 dés moins 4. Ça contient le résultat entre 16 et 116.